Hello tout le monde, c'est testeur de. Désolé, c'est testeur de jeux pas cool aujourd'hui. Je vais vous parler d'un. Qu'est-ce que je vais bien vous dire en fait? Je parle d'une chose. Enfin. Non mais. Je parle d'une chose très importante. Bon, bah, regardez la vidéo jusqu'au bout et puis à la prochaine. Hello tout le monde, c'est testeur de jeux pas cool. Aujourd'hui, nous allons parler. D'un sujet, attendez. Voilà, attendez encore. Voilà, c'est bon parce que je ferai mettre mon casque. D'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, non pas tellement. En fait, c'est le sujet, nous avons plus de va. On a plus de valeur que. Non. On a plus de valeur que les autres. Ouais, ça va s'appeler comme ça. Non, j'ai pas encore décidé comment ça s'appellera. Mais, en fait, ça me touche beaucoup, ça. Puisqu'en fait, ça parle plutôt beaucoup des médias aussi. Je vais parler d'autres choses si j'ai le temps. Mais en tout cas, là, ça parle beaucoup des médias. En ce moment même, par exemple, c'est un exemple, un Français, Jean-Marc de la Cour, machin, hein, de René et tout ça. Non, c'est mieux. Jean-Marc, René, et puis. Bastien ont commis, désolé à tous ceux qui s'appellent comme ça, ont commis un attentat et ont fait 9 blessés et puis un mort. Tout de suite à la télévision et tout ça, tout ça. Non, même pas ça. Même, par exemple, un mec qui va se déchirer les ligaments en conduisant une voiture. Oui, ça se paraît chelou maintenant, on dit. Non, bref, quoi, il fait un truc pas très incroyable. Non, encore mieux. Par exemple, un mec qui attire l'attention de tout le monde juste parce qu'il a fait le buzz en critiquant François Hollande, par exemple. Un mec qui critique François Hollande, il fait juste une petite vidéo et puis ça passe sur tous les médias et tout ça. Et puis, c'est là que ça va me toucher beaucoup. Par exemple, un jeune. Un jeune enfant qui vit. Non. Les gens qui vivent dans des points sensibles, genre en Centrafrique et tout ça, ils meurent et il n'y a personne qui parle d'eux. Je sais pas si vous voyez. Si. Ici, par exemple, si tu meurs en te faisant shooter par une voiture, il y a tout le monde qui dira que c'est un grand drame, mais par contre. Un Africain qui va sur la route et qui. Et puis il se fait tuer par un terroriste, non, ça choque personne. Je sais pas. Ou bien en Irak, il y a plein de gens qui se font exploser dès qu'ils sortent de chez eux. Boum! Il a rien demandé, le mec. Et puis il meurt quand même, quoi. Bref, c'était juste ça. À la fin, ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a un mort, genre nous. Même un petit truc, la personne n'a pas mis son pantalon en allant à l'école, enfin au collège, puis ensuite a dit ferme ta gueule à la prof. Là, ça va tout de suite passer dans le journal, quoi. Tandis qu'un mec qui se fait exploser la jambe au Mali, non, il n'y a plus rien au Mali, mais qui se fait exploser la jambe en Syrie ou en Irak, il n'y a plus personne qui en parle, hein. Ça m'énerve, ça, en fait. Puisqu'on attire trop d'attention sur nos pays, sur les pays occidentaux ou bien américains, parce que on a tous la même valeur en fait. Il n'y a pas genre ouais je vis en France alors je suis meilleur que les Irakiens. Non moi je vis en Suisse et puis on est plus riche alors je suis meilleur que les Maliens. Si ça se dit comme ça, non, désolé, hein, c'est pas une critique. Hein. Mais non, on est tous égaux. Nous venons tous du même endroit, du ventre de notre mère. Nous sommes égaux. Il n'y a pas de. Ah, il a plus de valeur. Même pour moi, un roi, c'est comme une personne normale, quoi. C'est juste qu'il a eu beaucoup de chance, qu'il a été élu, ou bien qui a su. J'ai dit un roi ou un président, je sais plus, qui a su utiliser son intelligence, ou bien, en fait, c'est un mec qui a eu tellement de chance et que son père était roi, et tout ça. Bref, quoi, c'est juste une personne qui a su se démarquer des choses.
Genre, pour moi, Diablo X9, ouais, je suis un fanboy, quoi. Ouais, je sais pas. Diablo X9, oui, je parle beaucoup de lui en fait. Diablo X9, lui, c'est une personne comme une autre. Il a juste usé de son talent pour. C'est pas une critique, hein, mec, si tu regardes la vidéo, mais tu la regarderas pas. Il a su utiliser son talent. Oh, avant j'ai sifflé, si on fait un point en disant utiliser. Il a su utiliser son talent et faire bon usage, quoi. On a tous un talent en nous. On n'est pas meilleur l'un que l'autre. Oui, à une chose, oui. Mais on peut pas être genre toi t'es une sale merde, casse-toi, va crever. Non, on est tous pareils. Bref, je crois que en fait ce sujet je vais parler longtemps. Tout ça pour vous dire que y a personne qui a plus de valeur que vous. C'est juste par exemple Diablo X9, on en revient. Il sait bien commenter. C'est pour ça qu'il gagne, je sais pas combien beaucoup. Ou mais après, il a parcouru des chemins. Enfin. Il a quand même enduré beaucoup de souffrances et tout ça, mais il a usé de son talent pour réussir. On a tous un talent quelque part. Même le mec qui s'est fait bombarder, il a rien demandé. C'est juste qu'il avait pas de chance, peut-être qu'il vivait dans un pays en voie de développement et puis c'est un peu dur de trouver du travail. Comme un paysan, ça peut très bien, il peut très bien devenir comptable, mais sauf qu'il a pas eu cette chance d'aller à l'école ou bien, enfin, en cours à l'école. Bref, quoi. Donc, oui, on a beaucoup plus de chance, nous les Occidentaux, mais on n'est pas plus. On n'a pas plus de valeur qu'eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, je sais pas. Je sais pas quoi faire pour vous. Donc, nous avons pas plus de valeur que. Bon, voilà, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, il me reste encore un peu de temps, en fait. À peu près une. C'est quelques 50 secondes. Ouais. 35. Oui. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais c'est un petit coup de gueule quand même. Puisque nous avons la même valeur que d'autres. Genre par exemple heureusement que nous on n'a pas qu'un seul président, on en a 7, nous les Suisses, on est les meilleurs. Non, quand même pas. Non mais au fond, nous sommes tous égaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Oui, j'ai un peu bâclé la fin, désolé. Et cette vidéo touche à sa fin, désolé, j'ai un peu bâclé la fin, même si je l'ai déjà dit. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine!